évidemment, c'est probablement le type de sculpture qui est le plus physique, parce qu'on a à s'attaquer à des blocs qui sont de grandes dimensions. Les outils requis pour faire une sculpture sur neige, ben, tu peux commencer avec une pelle ronde, un râteau, un couteau à steak, puis une pelle jardinière. Au fil des années, quand on devient un petit peu maniaque, je pense que nous autres, on l'est devenu, là, on fabrique nos propres outils. Donc, ici, vous avez notre coffre d'outils. Ce sont tous des outils faits à la main. À titre d'exemple, on a une gouge ici. Qui est faite dans un morceau de tuyau d'acier inoxydable. On a fait un manche courbé. C'est fait avec des restants de bois, mais c'est vraiment fait pour épouser la main. C'est très solide. Une petite bouge ronde ici, qui est utilisée dans les endroits restreints pour aller enlever de la matière à même les pièces qu'on travaille. Encore une scie faite à la main. Elle est faite à la main parce que la neige, elle a un gros grain, donc j'ai fait une scie spécifiquement pour un matériau qui est fait de gros grains. Des sableuses pour faire la finition. Si on veut marquer sur le bloc une certaine largeur qu'on veut enlever sans avoir à utiliser le tape à mesurer. Alors on fait des gabarits là, pour enlever différentes épaisseurs. On s'installe sur le bord du bloc. Vous voyez, ça laisse une ligne, c'est droit, c'est très rapide. Un point dont je ne voudrais pas oublier de parler, c'est la sécurité. Sur les sites de sculpture, souvent, comme là, il y a eu du temps, toute la neige est fondue, c'est glacé au sol. Les blocs, c'est haut, on peut tomber. S'il y a des enfants qui circulent trop proche des blocs, un gros morceau de glace ou de neige peut tomber dessus, peut être glacé. La sécurité, c'est un point majeur. Que ce soit comme n'importe quel autre type de sculpture, sur bois, sur marbre, je commence toujours par une idée. On commence, la première étape, c'est de se faire des coquilles qui vont nous donner, en fonction des dimensions du bloc, des coquilles qui vont nous donner un peu une idée d'où on va se diriger là, dans un premier temps. Je vais expliquer, c'était un ours polaire qui est appuyé sur sa mère, la Terre. Il est sur sa banquise qui est en train de fondre. Puis dans tous les concours, normalement, présenter des croquis sur toutes les faces. Donc là, tu vois la même sculpture, mais vue du bout, en dessin. Ensuite, on a une vue en plan. Il faut nécessairement démontrer au comité que du dessus, quoi ça va ressembler. Ça, c'est la première étape. L'étape suivante, on travaille avec une maquette qu'on va faire à l'échelle. Ça, c'est ce qu'on a fait comme maquette au Québec l'an passé. Vous voyez l'ours polaire. C'est sculpté dans du bois. Avec le bloc avec un pic ou un outil. On fait une esquisse. On enlève la neige. Comme reste, ça devient de la sculpture à main levée. C'est là que le talent arrive, le talent. Aller chercher les formes, faire ressortir l'effet du poil, par exemple, dans le cas de cette ours-là. Donc, ça prend environ, je dirais, l'équivalent de 3 journées de 12 heures à faire à 3 personnes, une sculpture comme ça. Donc, 36 heures par personne,